Nous sommes à Florence, capitale de la Toscane. En parcourant la ville par ses ruelles, nous découvrons la célèbre cathédrale Santa del Fiore et son dôme qui domine les habitations. Mais nous ne nous attarderons pas sur cette place du Duomo où travaillent de nombreux artistes. Nous ne visiterons pas non plus le Palais Vecchio qui, lui, renferme de purs chefs-d'œuvre dans ses plafonds et ses sculptures de marbre inoubliables. Nous passerons tout près de Santa Croce, où l'intérieur renferme les mausolées de tous les artistes connus qui firent la gloire de Florence et de l'Italie. Nous n'irons pas non plus flâner dans les jardins de l'esplanade Michel-Ange, qui offre cette vue imprenable et qui s'ouvre sur une Toscane verdoyante. Nous délaisserons également le Ponte Vecchio et ses boutiques d'orfèvres, étonnant édifice où les échoppes de bijouterie se touchent et offrent aux chalands leurs vitrines regorgeant d'or et de pierreries. Pas plus de palais Pitti, de galeries des Offices et de toutes ces beautés répertoriées dans les guides. Ici, on ne badine pas avec le règlement. Et le stationnement, c'est roue arrière côté trottoir. Mais que voulez-vous nous montrer, vous demandez-vous? Eh bien, dirigeons-nous vers le marché central San Lorenzo. Car Florence, capitale du traitement du cuir, conserve ses spécialités. Ici, les couleurs réveillent le chaland et nous retrouvons ce charme et cette élégance qui font le bonheur des Italiens et des touristes. Évidemment, nous ne pouvions pas passer devant les boutiques d'alimentation sans y jeter plus qu'un œil. Mais la cerise ne se trouve pas sur le gâteau des pâtissiers. Non, non, elle se trouve ici, chez les glaciers. Impossible de ne pas succomber aux fameuses gelati. Des montagnes glacées aux couleurs alléchantes auxquelles on ne saurait résister. Oui, c'était bien ici que je voulais terminer ce voyage. Je revendique ma gourmandise. D'ailleurs, à Florence, déguster un cornet chocolat pistache devant tant de beauté, c'est un peu le paradis.
d'enfants.